Salut les amis, nous on revoit la partie. Du coup, avec ma femme, on repart pour donc, du coup, le parcours bleu. Allez, on commence donc par un par 4 de 315 mètres. Allez, let's go. Allez hop, c'est parti. Donc du coup, bah là, drive au niveau des canards. Je vais essayer de pas tuer un canard. Ça va me perturber d'ailleurs. Mais donc voilà, plutôt sur la gauche du fairway. Il est un peu en dévers. Donc plutôt par là-bas. Je suis là. 170 mètres au green. C'est une belle cloche. Bien à gauche. J'ai pas du tout laissé passer les mains. J'ai vraiment beaucoup de chance, je suis juste là. J'avais pas vu le gros châssis. Sinon celle-là, si j'avais pas mis de balle provisoire, j'étais bon pour venir en arrière. Un 3 putts. Donc petit par 4, tout petit par 4 de 270 mètres des jaunes. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de danger, voire même aucun danger en fait. À part un bunker à droite. Bah voilà, hein, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être faire un coup de bois 5 là en direction de l'arbre. Comme ça pour arriver sur le fairway là, à droite, là où il y a la personne qui a les t-shirts rouges. Toujours mon petit de ma beach. Aïe aïe aïe, ça y est, il commence à montrer ses premiers signes de faiblesse pour un tir incassable. Donc, mais bon, je lui ai mis sur la tronche hein, celui-là. Alors, les amis, j'ai fait un espèce de wedge tout bizarre. J'ai dû faire 100 mètres. Allez, ma femme vient de faire un coup super. J'espère qu'elle va pas aller dans le chash. Ah, à sa tronche, à mon avis, elle est dans le chash. Mais. Tu vas retrouver ou c'est mort? Ça a l'air d'être sur le bord. Allez, on va aller voir si on trouve une balle au bord de chash. C'est un petit peu court, je pense, mais je suis dans la boue. Aïe 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 aïe. Faut pas que je faiblisse, je viens de dire à l'instant. Aïe aïe aïe, proche très courte. Là, et le double comme il arrive là. Oh, le bogey sauvé. Celui-là, un beau bogey sauvé. Allez, si on rentre que des comme ça pour la fin de Golf Cup. Par 4. Numéro 3, 373 mètres. Oh non, non, non. C'est de la drôle, ça. Ouais. Hop, grosse attente de mon côté, une partie de 5 devant là, qui ne me laisse pas passer. Je commence à sortir un peu de ma partie, il faut que je me reconcentre. Du coup, je l'ai mise à l'eau, là, je vais me dropper là-bas, à hauteur. Alors, reviens, reviens. Exactement ce que je voulais faire. Mais bon. Je vois une balle basse là, faire 5 là-bas. Je vais taper trop avant, trop sec. Mais du coup, bah, je sais pas, 3-4 mètres avant le bardeau. Avant le green. C'est pas mal.
mal ça, je me suis bien rattrapé. Allez. À 191 mètres des jaunes, là ça commence à faire un beau par 3. Trou numéro 4 là-haut, bunker à gauche. Du coup, j'hésite entre bois 5 ou hybride 4. Peut-être faire un coup d'hybride 4, je pense. Du coup, je vais jouer un petit hybride 4. Je dois être entré du green en bas à droite. On va aller jeter un lien pour voir à quoi ça ressemble. Allez, un énième bogey. Par 5, 507 mètres. Là, ils vont nous laisser passer, là, j'espère. Sinon, on va attendre un certain temps, là. Un petit chien qui passe, un Félix qui traverse le. Attrape les petites souris. Hein. Beau bois 5. Je vais faire un beau bois 5 là. En direction des arbres. On va voir un peu plus court que ce que je fais. On va regarder, je pense que ça va être pas mal. Pas mal là. Je... 150 mètres. Attention. Il gratte. Bon, bah, entraînement en bunker intensif parce que là, 3 balles pour sortir du bunker, plus de pète, 6 en par 3, ça pique. Je crois que j'ai un problème de caméra, je suis pas sûr que j'ai tout. Mais bon, ça a été laborieux. Juste au-dessus du lac, ça va être compliqué, ça. Si j'ai pas touché la ruche, là-bas. Difficile de voir y tomber. Moi, je suis juste là, au bord de l'eau. Ah, c'était pas là-bas, je voulais la mettre. Mais moi... Voilà. Oh, allez, on pitch. Allez, par 4, 361 mètres. C'est parti. Vous me dites hein, si les balles vous dérangent. Il faut pas bouger d'un millimètre quoi. La balle est tombée à 10 cm d'un mètre de lui. Ah, à droite. Bunker. C'est un bunker ça.
peu trop à droite. Je suis à droite là-bas, à droite des bonnes tirages, parce que je suis tombé dedans. Et là. Une balle très indécente. Bumper de l'autre côté. Allez, dernier trou par 5 de 458 mètres. A priori, un obstacle d'eau à gauche. Bonne gratte de 30 cm. Je vais 150 mètres tout droit. Et moins de 170. Petit coup de 6, ça serait bien. Un peu plus à gauche. Le nombre de fois que j'ai pris le chemin aujourd'hui, incroyable. Ma balle a envie de se promener. On va essayer. Là, j'ai 135 mètres entrée de green. On va essayer un. On va essayer. Un tour et d'eau. Hein ? Ah oui, un tour et d'eau. C'est une île. Déjà, j'ai pas le bon club. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon. Bah voilà. Hey ! Ça, c'est du coup, ça. Ça, c'est du golf. Vous voulez voir des coups comme ça plus souvent, venez voir la Fun Golf Club. Ça sera que des coups comme ça. Garanti. Enfin, presque. Ou pas. Bon, on verra. Allez. Oh, elle est là, la balle. Allez, hop. C'est parti. Je vous place et on la joue. Pas faire un par pour finir quand même. Un petit bogey pour finir. Bah, et ben voilà, le retour est fini, j'ai fait un 50, pas très bien le retour. Pourtant j'ai fait un super birdie, j'ai fait des très belles attaques de green, mais les putts ont été plutôt mauvais parce que j'ai fait 19 putts, ce qui est plutôt très mauvais. Mais bon, les greens ont été carottés, c'est mon excuse du jour. Hein. On va dire, c'est pas moi qui joue mal, c'est à cause des greens. Mais ouais, non mais sinon le parcours de Tumer vraiment super sympa. Au moment là il a chaud, hein, comme il a chaud, les greens sont carottés, les conditions n'étaient pas exceptionnelles, mais je pense que le design en tout cas, le parcours du, enfin le design et l'architecture du terrain est vraiment sympa à faire en tout cas. Allez, bonne journée à tous.